Lui a quitté la Havane pour un atelier à Marrakech. Et je ne vous apprends rien, Wadir, si je vous dis que Michel Mirabal est l'un des artistes cubains les plus doués de sa génération. Ce qui l'a rendu célèbre, eh bien, c'est sa fameuse représentation du drapeau cubain, une manière pour lui d'illustrer l'identité nationale. Dans ses œuvres, le fil barbelé et le riz, oui, le riz, la céréale, sont omniprésents, sans doute pour exprimer les réalités cachées. Il y a aussi beaucoup de fleurs enfermées, protégées, comme l'a été Cuba. L'œuvre de Michel Mirabal est très engagée et en même temps, elle exprime toute la complexité de la culture cubaine. Sa beauté, ses failles. Après avoir sillonné le monde entier, l'artiste est actuellement en résidence au Jardin Rouge de Marrakech. Mohamed Chima l'a rencontré pour nous. Rita Saha pour le récit. Le drapeau cubain, une source d'inspiration inépuisable pour Michel Mirabal. L'artiste l'a baptisé Ouragan. Il y enroule du fil barbelé, le constel de riz, des signes très symboliques du quotidien cubain, mais aussi très évocateurs de la portée contemporaine et universelle de son œuvre. J'ai une série qui traite du drapeau cubain et beaucoup de gens me connaissent à travers elle. Mais je me préoccupe aussi beaucoup de problèmes universels et des choses qui affectent tout être humain, n'importe où dans le monde. Qui est du riz que j'utilise dans mes tableaux? Eh bien, pour nous les Cubains, c'est vital. Ça doit absolument être posé sur la table. Si un Cubain manque de riz, il manque de vie. Invité par la fondation Montresso, Michel Mirabal est actuellement en résidence artistique à Marrakech avec son complice de toujours, Manuel Quintana. L'artiste cubain est en pleine préparation de sa prochaine exposition prévue en décembre prochain dans la ville ocre. Michel Mirabal est un artiste cubain qui questionne le drapeau, l'identité, qui parle de son peuple à travers le riz, à travers les pois chiches, à travers le fil barbelé, qui peut paraître parfois, comme il le dit, un peu difficile, mais pour lui tout est question de liberté, de libération du peuple et de parler de ce qui nous rapproche en tant qu'humains. Michel Mirabal a exposé aux États-Unis, en Amérique du Sud, en Europe et en Chine. Ses œuvres figurent parmi les collections privées des grands de ce monde et celles des plus grands musées de la planète.